simple parcelle de vie. Entends ma petite voix. Coucou, 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 je suis là. Mais tu ne me vois pas. Coucou, 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 je suis là. Sur la terre, tout en bas. Dans le ciel et les étoiles, la planète où je suis née file comme un vaisseau spatial dans la grande immensité. Coucou, 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 je suis là. Mais tu ne me vois pas. Coucou, 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 écoute-moi. Écoute, écoute cette histoire-là. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, les enfants? Ben, on a trouvé un papillon mort. Oui, je l'ai enterré dans le jardin et depuis, on n'arrête pas d'y penser. Mais faut pas vous mettre dans cet état. Être enterré, c'est déjà le début d'une nouvelle vie. Comment ça, une nouvelle vie? Vous allez voir. Mazina, qu'est-ce que tu fais? Je suis tout petit. Minuscule. Comme ça, on a la même taille, Gaston. Ah ben ça alors. Regarde, Zina. C'est justement sous cette capsule qu'on a enterré notre papillon. Vous savez, les enfants, tout ce qui meurt finit un jour par tomber sur la terre. Comme cette feuille morte, par exemple. À partir de ce moment-là, les équipes de nettoyage et de recyclage interviennent pour emporter sous la terre toutes les matières mortes. Oui, mais comment ça se passe en dessous? Venez, vous allez tout comprendre. Installez-vous dans ce panier. Vous n'avez pas peur? Non. Bon, alors je vais vous descendre avec mon fil très doucement. Colin, t'as pas peur, toi? Bah, un peu si, mais je voulais pas trop le dire devant Zina. Regarde! Ça va en bas? Regardez bien, ils passent tout leur temps à digérer la terre et tout ce qu'elle contient. Chaque petite bête... Pas plus fort, Zina! On n'entend pas bien! Chaque petite bête, des plus grosses aux plus petites comme les bactéries et même les champignons, participent au grand cycle de la matière. Les joyaux de la terre. Vous savez, toutes les matières mortes sont recyclées par la multitude des habitants du sous-sol, qui les transforment en bonnes choses pour nous, les plantes. Tenez, madame. Vous allez voir. Oh, que c'est bon. La plante pousse, les enfants. La plante pousse. Ça marche. Oh. Les pauvres chérubins, comme ils sont fatigués. Chut, dormez les petits. Qu'on soit une feuille morte, un petit brin d'herbe, un morceau de végétal. Qu'on soit un insecte, un éléphant ou un autre animal. Qu'on soit un zozio, un gros numéro ou qu'on soit une personne. Arrive fatalement un jour notre dernière heure qui sonne. Arrive fatalement un jour notre dernière heure qui sonne. Et tout ça finit sous terre ou dans un cimetière. Avec des petites bêtes qui transforment la matière pour la recycler, la séparer en tout petits éléments qui servent de nourriture à toute la nature.